you ever felt. Are you listening? Damn. Coucou les filles, bah écoutez, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera astuce aujourd'hui parce que vous m'avez été nombreuses à me demander comment j'exfoliais mes lèvres car effectivement j'ai énormément de soucis au niveau des lèvres, j'ai carrément et littéralement des peaux qui rebiquent et je viens les tirer avec mes ongles, donc vraiment c'est le truc qui fait hyper mal, les crevasses de ouf que ça fait à frais. À frais? Oui, à frais et après bien sûr. Donc en fait, vous m'avez demandé comment je faisais pour exfolier mes lèvres. J'ai du mal à parler aujourd'hui, mais excusez-moi pour ça. Du coup, je vais vous montrer tout simplement comment je réalise l'exfoliation de mon labial. Alors, du Babylit, n'importe quel baume à lèvres fera l'affaire. Donc j'ai deux solutions à vous proposer. Celle qui aime le frais et celle qui aime moins la menthe et tout ça. Parce que je vous avoue que ça c'est très facile à faire, vu que j'ai besoin d'une brosse à dents et d'un baume à lèvres, quand vous vous brossez les dents en fait, vous passez tout doucement votre brosse à dents avec du dentifrice, voilà, pour rafraîchir un peu la bouche, et surtout les plaies qu'il y a sur la bouche. Moi j'aime beaucoup cette astuce, je le fais du coup quand je me lave les dents, donc vu que vous lavez les dents régulièrement, l'exfoliation se fait aussi très régulièrement, voilà tout simplement. Et sinon, si tu te laves pas les dents, je te propose une solution où... Allez, est-ce que quand tu poses un labial, t'as pas cause, c'est pas possible. Donc tu viens poser ton baume à lèvres en couche généreuse. Voilà. Celui-là, je l'aime pas trop, donc j'utilise en général pour ça. Et tu viens doucement avec ta brosse à dents. C'est pour ça qu'il faut en utiliser une qui soit un petit peu utilisé déjà depuis longtemps. Moi j'en viens d'en racheter une, donc je prends celle-ci. Vous savez, c'est micro picot, c'est aqua fraîche, voilà, qui passe entre les dents, moi. Donc là, elle est un peu incisive celle-ci, donc si vous voulez plus doux, vous pouvez très bien prendre plus doux. Et tu passes tout doucement sur tes lèvres, à l'endroit où certes tu as des gerçures, hein. Sans te faire mal, si tu te fais mal, tu lâches l'affaire. Je te mets une belle petite musique pendant que je le fais, parce que sinon ça va être un petit peu dérangeant, d'accord? Donc on se retrouve tout de suite. Waking up, feeling the taste of our fight last night. J'ai réalisé mon exfoliation. Je viens tout simplement avec un mouchoir retirer l'excédent, puisqu'en fait le baume va garder la peau morte, donc comme ça on retire tout en un seul geste. Voilà. Et du coup là, c'est beaucoup mieux déjà. Et là en fait, comment dire, le rouge à lèvres est prêt à être posé du coup, hein, parce que là forcément, voilà, c'est vraiment tout doux. Alors si vous faites juste une exfoliation mais vous vous maquillez pas, vous mettez du baume à lèvres, il n'y a pas de souci, ça va nourrir en profondeur.
Si vous vous maquillez juste après, je vous conseille quand même de mettre pas un mat, mais quelque chose quand même de relativement hydratant. Quand même, si vous venez d'esquamer le tout. Donc en gros, là, je vais choisir un rouge à lèvres et puis je reviens vers vous parce que je sais pas encore ce que je vais choisir. Mais vu que j'ai les yeux chargés, je vais prendre quand même quelque chose d'assez neutre et clair. Donc là, j'ai choisi un de chez AliExpress en guise de rouge à lèvres. Voilà. Donc pour la teinte, c'est le AB1, le Shy Girl. Mais en vrai, je sais même pas si ces teintes existent. Voilà. Donc le truc, c'est que je ne travaille pas à outrance les lèvres puisque j'ai les yeux chargés. Voilà. Et puis pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, vous abonner, de m'aimer et de tout, et de partager. Et voilà quoi. Je vous fais d'énormes gros bisous d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. Have you ever felt? Are you listening? Damn.